Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui, nous sommes le... Je sais pas, lundi, on est lundi, ça je sais. Mais on est lundi combien? Parce que j'ai pas mis mon truc à la bonne page. Hier, je suis pas sortie, avant-hier non plus. Donc pourquoi c'est arrêté qu'au 20 septembre? Je sais qu'il y a une journée, j'ai été faire des courses à Carrefour pour mon fils, je crois que c'est hier matin. Bon, mercredi, jeudi, j'ai rien marqué. Vendredi, samedi, j'ai rien marqué. Dimanche non plus. Donc là, je ne fais pas la séparation puisque j'ai rien marqué. Je crois que c'est hier que mon fils m'a demandé d'aller à Carrefour. Et on y a été, je crois, aussi vendredi. Samedi et vendredi. Hier et samedi, je crois. Je sais plus. Donc je ne marque rien quand je ne sais pas. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 26 septembre 2022 et il est la factrice est passée il y a longtemps. Il fait sombre, j'ai que ce côté de fenêtre ouverte. Les ouvriers sont venus peindre la porte d'entrée en dehors. Ils ont peint tout le cadre et puis ils ont peint toute la porte. Voilà. Donc il faut que je guette mon fils pour lui dire qu'il fasse attention que la peinture est juste faite. De toute façon, quand je verrai sa voiture, j'ouvrirai la porte. Donc, il est 13h33. 13h33. Logiquement, je ne sais pas ses horaires aujourd'hui. Je sais qu'il s'est levé, il est parti à 5h. Il s'est levé de bonne heure ce matin parce que moi je dormais pas, je n'ai pas dormi, je me suis endormie après qu'il a été parti. Donc il est 13h33, donc logiquement il doit débaucher à 13h45, entre 13h45 et on va dire 15h, soit 13h45, soit 15h. Donc il faut que de temps en temps je me lève pour aller voir si je vois sa voiture, si je vois arriver. Pour lui dire qu'il fasse attention à ne pas se frotter sur la porte et sur le cadre de la porte. Voilà. Donc aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. Malgré le mauvais temps qu'il y a, il pleut. Hier, on a eu un rayon de soleil. Après, sur le coup de 17h, ça a été le gros ciel gris. Et puis là, ben, c'est de la pluie. Donc j'ai laissé mes fenêtres ouvertes pour des chambres de ma cuisine et de la salle à manger pour faire en aller cette odeur de peinture. Parce que dès qu'on ouvre la porte, ça y est, l'odeur, elle rentre. Et j'avais mis mes fleurs sur le bord de la fenêtre un petit peu, malgré qu'elles avaient été arrosées. Comme ça leur a fait du bien. Enfin, les petits pots, hein, j'ai trois petits pots. Ça leur a fait du bien au niveau des feuilles. Voilà. Donc, les grandes, là, il va falloir que je les arrose. J'ai ma grande-grande ici qui me fait encore une bouture en hauteur et une en bas au pied. Voilà. Donc, là, il va falloir que je coupe tous les morceaux de scotch. Et que j'essaye de retailler, que j'enlève la tige qui va toucher bientôt le plafond et celles qui sont sur le côté qui s'en vont en penchant comme ça. Que je les mette à raciner et une fois qu'elles seront racinées, je les repiquerai au pied. Voilà. Donc, niveau santé, moi, ça va. Toujours mes problèmes de migraine, mais ça, je pense que c'est quand j'ai mes cannes de toux. Là, j'ai encore mal à la tête. L'odeur de peinture n'arrange rien. J'ai pris mon cachet pour ma thyroïde. Du coup, je continue mon traitement pour mon asthme. J'en ai repris hier et la collègue de mon médecin m'a dit que si les trois doses ne suffisaient pas, je pouvais en reprendre une entre les deux. Voilà, là pour l'instant, je n'ai pas toussé ce matin. Donc, on va enchaîner après sur du diamant painting. Je vais vous montrer l'avancée de ma toile sur le thème des chevaux, ma toile défi sur le thème des chevaux. Encore, on va dire 4, 5, 6, 7, encore 8 petites cases de 10 sur 10, on va dire, et elle sera finie. Donc, logiquement, enfin, fini, oui, entre parenthèses, parce que vous savez que j'ai un symbole, je n'ai plus de diamant. La couleur 38-35, je n'ai plus de diamant carré en numéro 38-35. Donc, je vais essayer de trouver un violet qui se rapproche le plus du bordeaux, où je mettrai une couleur claire.
Je vais voir ce qui va me rester. Et puis, dans mes stocks de diamants où j'ai pas de numéro, je pense qu'avec la totalité dans les verts, je mettrai. Enfin, logiquement, c'est du Bordeaux, faut que je mette là. Mais comme il y a des arbres, eh ben, je pourrais mettre du vert à la place. Je sais pas, je vais voir. Donc, je vous montre tout de suite où j'en suis rendue. Et vous me direz ce que vous en pensez. Toi, je recule le fauteuil pour pas que tu me fasses basculer, mademoiselle. Ah bah oui, tu vois rien là. Ah bah oui, tu peux pas voir dehors, là, il y a le rideau. Ah bah donc ça y est, l'autre pouf, elle a fermé sa fenêtre. Il pleut, c'est la fête à la grenouille. T'as vu ma loutre? Bah là, tu verras plus les oiseaux dehors, hein. C'est l'hiver, ils sont dans leur nid, les oiseaux. Ils sont à l'abri. Donc, je vous tourne pour vous montrer tout ce que j'ai fait et tout ce qui me reste à faire. Alors, je vous mets comme ça. Hop, je vous bascule. Il faut que je retrouve la position dans laquelle j'étais. Parce que j'ai tourné le trépied. Alors, est-ce qu'il faut que je le tourne encore un peu? Désolée si je vous bouge. Voilà. Donc là, vous le voyez de loin, mais vous voyez, hop, que je ne me prenne pas les pieds dans le trépied. Je vais voir si je vois mon fils arriver. Avec la flotte qui tombe, le caniveau, là où il y a le parking, là où mon fils garde sa voiture, le caniveau, il y a ça, l'eau, elle dépasse de code de tout ça. Le petit, il y a on a le, ça fait comme ici, comme sur la tablette ici. Vous voyez, vous avez le petit parking ici, puis là, vous avez un petit rebord. Et ben, ce petit rebord de caniveau, là, il est plein, ça déborde de tout ça. Les canards pourraient y tremper leurs pieds, leurs pattes. Après, voilà, moi j'ai baissé mes volets, les côtés où j'ai ouvert les fenêtres. Ça ne pleut pas dans la maison, c'est le principal. Donc voilà. Donc au niveau de ma toile, il faut que je me rachète une petite tablette A4, comme celle-ci. Celle-ci, elle fonctionne très bien, sauf qu'il n'y a pas de bouton pour allumer et éteindre. Elle s'allume dès que vous la branchez. Et puis quand j'ai fait ma pâte Fimo. Et eh ben j'ai pas fait gaffe en coupant ma pâte, j'ai rayé mon verre ici. Elle éclaire encore, mais voilà. Donc celle-ci, je m'en sers que pour la pâte Fimo. J'en ai une autre, mais je sais pas où elle est. J'en ai une autre comme ça, je sais pas où elle est. Est-ce que je l'ai gardée? Est-ce que je l'ai jetée? Je sais pas où elle est. Donc celle-ci, je vais la ranger. Je sais pas où elle est l'autre. Entre le mur et le carton, mais je l'aurais trouvé. Enfin, c'est pas grave, j'en racheterai une autre à Action. Elle sera comme celle-ci, mais en A4. Voilà. Donc, celle-ci, elle a qu'une densité de lumière. L'autre, elle en avait trois. Celle-ci, là, la deux que j'avais acheté chez Amazon. Enfin, je les ai toutes les deux achetées chez Amazon, mais la première, j'ai acheté, c'est le petit embout qui vient ici, qui est à l'intérieur, qui est dessoudé. Faut que je regarde où je l'ai mis, que je l'emmène à Leclerc, s'ils peuvent me la ressouder. Voilà, faut que j'y emmène mon caméscope, mais faut que mon fils m'emmène, quoi. J'ai mon caméscope, j'ai ça à emmener, j'ai mes tablettes à leur emmener à vérifier. Faudrait que j'emmène tout et puis qu'ils y regardent, quoi. Et puis ils me diront combien ça me fait au total et moi je les paierai. Je mettrai les sous, il faudra qu'ils me fassent un devis. Et suivant le montant du devis, bah, si je fais réparer. Bah, je leur dirais qu'ils prennent le temps de le réparer. Le caméscope, il y a juste, à me le débloquer, c'est tout. Et là, il y a juste la petite pièce à coller, c'est tout. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais pour les tablettes et pour l'ordinateur, quand je mettrai l'ordinateur, il faudra qu'ils me fassent un devis. Et suivant le montant du devis, bah, je leur dirais, vous faites quand vous pouvez. Et moi, ça me permettra de mettre des sous de côté. Donc là j'ai par rapport aux dépenses que j'ai fait, ça y est, toutes les factures sont payées.
Il me reste 44 euros et quelques centimes sur mon compte. Donc ces 44 euros, je ne vais pas compter les centimes. Donc ces 44 euros, je vais les virer de mon compte courant, de mon compte courant sur mon compte Livret A. Et ça sera de l'argent qui sera mis de côté. Et c'est ce que je vais faire. Sinon, je retirerai les 44 euros ou les 40 euros carrément. Je vais voir et je les mettrai dans des enveloppes. Où j'achète sur Amazon, que je m'achète les petits classeurs là, pour mettre avec les enveloppes. Au début, je ferai les enveloppes comme je faisais pendant une période. J'avais fait le système des enveloppes. Il y a une enveloppe pour le loyer, une enveloppe pour l'électricité, une enveloppe pour les courses. Il y avait une enveloppe pour les vêtements. Voilà, je faisais les enveloppes moi-même. Mais c'est des enveloppes papier et ça ne va pas durer dans le temps. Voilà. J'ai un coffre qui ferme à clé. Je mettrai les sous dans le coffre et puis je mettrai dans l'armoire. J'ai résisté jusqu'à aujourd'hui pour pas toucher sur les 44 euros. Moi, j'avais calculé 43 euros, mais bon, c'est 44 euros quelques centimes. J'ai résisté jusqu'à aujourd'hui pour pas y toucher. Là, ce matin, j'avais envie d'aller à Carrefour m'acheter un petit plat tout prêt, un plat cuisiné, mais j'ai dit non. Puis après, quand j'ai voulu y aller, ben, il s'est mis à pleuvoir. Et puis, comme il pleut et que j'ai pas de chaussures, les seules bottes que j'ai, c'est des bottes en daim. Et quand il pleut, comme il pleut aujourd'hui, le dessus de mes bottes, vu que c'est du daim, ben, est mouillé. Et après, j'ai les pieds mouillés. Voilà. Donc, il faut que je m'achète des bottes en cuir ou en simili-cuir pour que je puisse sortir et avoir des bottes potables. Et puis, je ferai mettre une autre épaisseur de semelle dessous avec par le cordonnier. Ne serait-ce une petite semelle d'un centimètre d'épaisseur assez solide. Alors, au niveau du DP, de mon DP défi sur le thème des chevaux, à part la couleur numéro DLC 3835 que je n'ai pas en stock, j'ai fait tous mes diamants de mes toiles terminées, j'ai fait tous les diamants de mes toiles en cours et de mes anciennes toiles, la jument, son poulain et tout ça, de toutes mes anciennes toiles. Après, elles ne sont pas toutes répertoriées dans le cahier. Mais dans celles qui sont répertoriées dans le cahier, il n'y en a aucune où il y a le numéro 3835 en diamant carré dans celui-ci, parce que je suis en train de le refaire. Celle-ci. Ah, pourquoi il y a un papier de colis là? Donc ça, c'est quand les papiers ils ont de la colle dessus, ça. Hop. Donc dans le Mickey Mini, c'est des diamants ronds. Là, ce sont des diamants ronds. Des diamants carrés. Dans celui-ci, il n'y a pas. C'est le Mario Luigi. Il n'y a pas les 38-35. J'ai pas de 38 d'ailleurs. N'y a pas de 38 dans celui-ci. Ici, ce sont des diamants carrés dans le Yoshi, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Ah ben alors attendez, parce que je ne regarde pas la bonne colonne. Je ne vais pas regarder la bonne colonne. Il y a bien du 38 dans le Mario Luigi. Mais il y a 38,05, 38,22, 38,37, 38,38, 38,53, 38,65. Il n'y a pas le 38,35. Dans celui-ci, il n'y a pas de 38,35. On a 38. 38,05, 38,20, 38,22, 38,37, 38,43, 38,45, 38,46, 38,65. Donc on n'a pas le 38,35. Dans celui-ci, ce sont des carrés aussi. Je n'ai pas le 38,65. Voilà mon emmerdeuse. Je n'ai pas le 38,35. Allez, descends là. Je n'ai pas le 38-35, j'ai que du 38, 38, 38, 50, 53 et 56. Là, c'est des ronds, des spéciaux. Là, j'ai des carrés, mais il n'y a pas le 38-35. On a bien des 38, mais on n'a que le 38-31 et le 38-34. Là, c'est des ronds. Là, c'est des ronds, c'est des ronds. Après, j'ai des toiles qui ne sont pas commencées. Donc, j'en ai encore en carré.
C'est des ronds. Je crois qu'après, c'est que des toiles en diamant rond. Voilà, c'est que des toiles en diamant rond dans ce qui me reste. Voilà. Ensuite, je disais, je n'avais pas toussé de la journée. Ben ça, c'est l'odeur de parfum parce qu'il y a mon désodorisant dans le couloir qui se déclenche toutes les demi-heures. Et du coup, il y a ça. Et puis, parce qu'il a mis du temps dans ce. Il y a ça. Et puis, il y a le. Je fais ça comme ça. On va faire ça comme ça. Il y a l'odeur de la peinture aussi. Donc, pour en revenir à cette toile-là, je regarderai dans mes toiles neuves, sur ma deuxième toile, comme ça, sur le thème des chevaux. J'ai sa feuille de route. Je ne sais pas si elle est là. Sur votre toile, j'ai la feuille de route. Et je crois qu'elle est là-dedans. Alors, dans les toiles que j'ai ici, Ruby! Mais elle est folle! Désolée, c'est Ruby qui a tapé dans le trépied. Elle est folle, ma finette. Elle est faux folle. Bah, avec tous les bruits qu'il y a aussi. Alors, celle-ci, est-ce qu'on a du 38? Non, on a du 38-36. Voilà. 38-36, 38-40. C'est des diamants carrés. Et le 38-36, celui-là, il est quelle couleur? Alors, je vais regarder dans ma mallette. Alors. Je regarde dans la dernière mallette bleue. Parce que dans ma mallette bleue, tous les DMC sont classés par numéro. Enfin, tous mes diamants sont classés par numéro de DMC. Donc, ça va du numéro 152 au 38, au 5200. Faut que je guette si mon fils il est là. Mon diffuseur dans le couloir, je vais le ralentir un petit peu parce que. Alors là, c'est pas celle-là. Évidemment, c'est pas la bonne. Voilà, ça c'est le 800. Ruby, tu arrêtes là où je vais me fâcher. Alors, le 38-35, il va être où? Ça, c'est du tricot. Ça va du numéro 500 à 612. Alors, comment ça se fait que j'ai pas mes 38? Je n'ai pas remis. Non, là, ça va jusqu'au 900. Alors, 613 à 900. Donc, c'est l'autre mallette. Donc, celle-ci, elle va dessous. Celle que je ne les ai pas pris dans le même ordre. Hop. Alors, le 38, 37, 36, pardon. C'est quelle couleur? Parce que ça, j'ai beaucoup de toiles où il y a le 38-36. Donc, 38-38, 38-36, 38-29. Je n'ai pas le 38-35. C'est un violet. Le 38-36, c'est un violet comme ça. Alors, est-ce que je le mets là, le 38-36? Non. Ah, bah si, il est dedans. Donc, je ne peux pas mettre celle-là. Parce qu'ici, sur celle-ci, j'ai 38-35 et 38-36. Donc, vous voyez, ici, du 38-35, j'en ai encore. Bon, ben c'est pas grave, on regardera dans les toiles, dans les diamants qui restent. Et comme c'est dans les couleurs bordeaux, ben j'essaierai de voir faire. Voilà, ça c'est comme ça. Ma mallette, elle est ici. Bon, là, de toute façon, je ne vais pas y voir, j'en ferai que tantôt. Plus tard, j'en fais ce soir. Donc voilà, 38-35, je n'en ai pas sur celle-ci.
J'en ai pas sur celle-ci. C'est ma première toile, les mésanges. Non, j'ai 38-36 aussi sur celle-ci. Voilà. Sur celle-là, c'est la femme et le loup. 40 couleurs. C'est la numéro 2, celle-ci. J'ai le 38-29, 38-21, 29, 60, 61, 62, 63. Voilà, donc ça, c'est les toiles qui sont... celle-ci, elle n'est pas commencée. C'est ma toile numéro 2. Celle-ci, c'est ma première toile des mésanges. Celle-ci, elle est en cours. Celle-ci, elle n'est pas commencée. Je n'ai pas le 38-35. J'ai que 38-24, 46-65. C'est une toile qui n'est pas commencée non plus. Ça, ce sont les prochaines toiles ici que je vais faire parce qu'elles sont à plat sur mon, sur ma caisse de diamant painting, là. Et faut que je les fasse, quoi. Celles-ci, elles sont à l'intérieur. Non, elle est à plat, celle-ci aussi. Alors, ensuite, on a celle-ci qui n'est pas commencée non plus. C'est ma deuxième, celle-là. C'est une de celles que je vais faire aussi. Il n'y a pas le 38-35 dans celle-ci non plus. Là, on a le 38-23, le 25, 29, 42, 55, 62, 64, 65, 66. On n'a pas le 38. J'ai encore mal dans mon pouce. Hein. Le fait que je me suis cogné le doigt contre, contre la porte l'autre jour. Celui-là, il n'est pas commencé. Celui-ci, on a le 38-07, 22, 32, 63. Dans celle-ci, on a 38, 56, 65, 66. Les 38, 65, 66 et 38, 38, j'en ai souvent. Alors, ça, c'est ma toile diamant rond sur mes, mes fleurs de chez Action. Ici, on a 38, 21, 52, 63, 65. Non, 64, 65. Celle-ci, elle est en cours. Voilà. Et l'autre, c'est voilà, la dernière toile avec le thème des chevaux. Là, je risque pas de louper les numéros. Hein. Là, elle nous indique le nombre de diamants qu'on a par sachet, le nombre de sachets. Il y a un sachet de chaque couleur pour cette toile-là. Et on a le 38-05, 22, 36, 37, 53, 55, 65. On n'a pas le 38-35. Alors, je ne vois pas pourquoi sur celle-ci, il y est, alors que sur toutes les autres toiles que j'ai ici, là, je ne les ai pas. Après, je n'ai pas été voir dans les sachets des toiles, des autres toiles que j'ai en stock. Hein. Donc, ça, c'est à faire en dernier. Ça, c'est une 30-30. Ça, c'est une 50-40. Ça, c'est une 30-40. Ça, c'est une 40-30. Ils ne mettent pas pareil. Hein. Donc, ça, c'est. Voilà, ça va venir là. Ça, c'est une 50 par 40. Ça va venir là. Ça, c'est une 50 par 40. Elle va venir là. C'est une 30 par 40. Elle va venir ici. Ça, c'est une 40 par 30. Ça, c'est une 30-30. Les autres, là, ben ça, c'est celles qui sont commencées. Hein. Celles-ci, elles ne sont pas faites. Celles-ci, elles ne sont pas commencées. Donc, les 50 par 40, les 40, les 30 par 40, les 40 hop, par 30, et là, c'est le 30-30. Voilà, donc ça, elles sont dans l'ordre de dimension. Après, ça va être dans l'ordre du cahier, hein, donc... Et ça, c'est celles qui sont en cours. Voilà. Donc, je n'ai pas de 38-35 dans ces toiles-là. Je regarderai dans mes autres toiles, dans les toiles neuves, si j'ai une toile où il y a du 38-35. Je mettrai une autre couleur en attendant.
Je vais pas m'embêter à chercher. Voilà. Donc, au niveau de cette toile-là, à part ce petit souci de diamant manquant, je me suis pas trompée dans les couleurs. C'est pas possible. Parce que la lettre. Mince. Pourquoi c'est un L? Pourquoi c'est un. Ah ben nous voilà bien. Ben non, il n'y a pas de coupure de courant. Elle est en train de me lâcher ma tablette, vous voyez? Elle éclaire plus. Bon ben je vais l'éteindre et puis je vais la mettre de côté. Et une deuxième tablette qui ne fonctionne plus. Faudrait que je l'emmène à Leclerc, elle aussi. Donc, je vais les mettre à plat là-bas. Si on fait une deuxième qui ne fonctionne plus, je ne vais même pas m'embêter. Je vais voir. Je les emmènerai à Leclerc s'ils peuvent faire quelque chose. S'ils peuvent rien faire, et ben, ils iront. J'en rachèterai une autre. Après, ça fait plus d'un an que je les ai. Hein. Oui, ça fait un moment que je les ai. Donc, il y a celle-ci de chez Action qui fonctionne très bien. Celle-ci, je n'ai pas eu de problème. Ça fait quoi? Ça va faire un an que je l'ai, celle-là? Ah oh, oui, il y a un petit moment, je l'ai. Donc là, j'ai sorti ma toile sur les fleurs de chez Action pour finir les couleurs. Mais bon, je suis en panne de tablette. Voilà. Alors, j'ai fini toute cette partie-là. Là, tout ce. Là, d'ici jusqu'ici, tout est fini. Toute cette bande-là est finie. Et hier, oui, c'est hier que j'en ai fait du diamant painting, hier matin. Non, hier, j'en ai pas fait, c'est avant-hier, je crois que j'en ai fait, je sais plus. C'est avant-hier. Ça doit être avant-hier après-midi que j'en ai fait dans ma chambre. J'ai fini, donc avant-hier, j'ai fini de boucher tous les petits trous qu'il y avait à boucher là par les couleurs qu'il y avait à mettre. Hein. J'ai fini ce petit coin-là et j'ai fait tout ce petit coin-là. Voilà. Donc ça, tout est fini, sauf qu'il me manque la lettre K. Voilà, il me manque ce 38-35 pour finir. Alors le 38-35, j'en ai encore un peu ici dans le cheval à mettre. J'en ai ici à mettre. Et j'en ai quelque peu, j'en ai un petit peu par ici. Voilà. Donc là, actuellement, il ne me reste que cette partie-là à faire. Voilà. Vous voyez, il ne me reste que la partie où il y a le papier à faire. Voilà. Mais vu que ma grande tablette vient de me lâcher, et ben. Je mettrai la petite. Je mettrai celle-là. Voilà. Donc, je voulais vous montrer de plus près, mais je ne voudrais pas trop le bouger. Alors, je vais enlever le papier ici. Et là, avec une lingette, je vais enlever la colle qu'il y a sur la bordure une fois qu'elle sera finie, là, parce que vous voyez, ça colle. Là, ça colle plus, mais je vais enlever les traces de colle là qu'il y a autour où je collerai un papier autocollant adhésif. J'essaierai de trouver des papiers autocollants. Voilà, donc vous voyez, je vais allumer bah, du coup la tablette là. J'en ferai peut-être tout à l'heure. Mais sur celle-ci, vous n'allez pas voir. Voilà. Donc là, logiquement, il me reste cette partie-là ici, toute cette partie-là et cette partie-là à faire. Alors, je voulais l'allumer, mais hey, ça sent plus parent si. Eh bien, elle n'était pas branchée, ma tablette, tout à l'heure? J'ai pas dû la brancher l'autre. C'est bizarre à l'éclairer. Alors attendez.
retourner la chercher. Alors, laquelle... Alors, je regarde par rapport à l'embout. Voilà, ça, c'est celle-ci qui va dessous. Si je peux les faire réparer, ça sera bien. J'emmènerai tout ça à Leclerc à l'aigle. Et puis, ils me diront, ils me feront l'ordinateur. Moi, j'emmène aussi. De toute façon, quand je vais avoir la tour de l'ordinateur, là, le mois prochain, je vais commander les pièces pour ma tour. J'ai demandé à mon fils si c'était s'il fallait que j'achète un écran. Il m'a dit non parce que tu peux la brancher sur la télé, tu pourras brancher la tour sur la télé. Mais faut voir si le branchement est s'il y a le même système de branchement, le branchement qu'il y a sur la tour, faudra savoir si c'est le même sur la télé. Voilà. Alors, parce que je vois que le fil est là-bas. Alors, est-ce qu'elle était branchée? Je sais pas. On va bien voir. Bah non, c'est parce qu'elle devait pas être branchée. Voilà, voyez. Alors j'espère que vous allez bien voir. Je vais vous relever. Hop. Je vais essayer de vous relever. Voyez les parties qu'il y a à faire. Hein, toutes les parties non diamantées. Toute cette partie-là. Là, tout ce petit. Ces deux petites cases-là. Les deux cases ici, parce que c'est des cases qui font cette largeur. Donc, ces deux cases ici. Et ici, ça m'en fait une, deux, trois, quatre. Donc, ça me fait six cases à faire, en gros. Donc, voilà. Donc, là, ici, vu qu'il me manque la couleur pour la lettre K. Ici, du K, j'en ai ici et j'en ai ici. Donc, du coup, je vais faire toutes les autres couleurs autour. Donc, là, ce soir, je peux faire cette... je vais essayer de faire... ce soir, je vais essayer de faire cette partie-là. Parce que je me mets dans ma chambre sur mon lit. Donc là, ce soir, sur mon lit, je peux essayer de faire cette partie-là. Ou dans l'après-midi. Et puis finir. Ouais, elle sera finie pour le 31 octobre. Voilà. Elle sera même peut-être finie avant. Ben voilà. Vous la voyez en entière. Voilà. Vous la voyez entièrement. Je peux pas vous zoomer plus. Alors je vais décrocher. Alors je vais voir si je vois mon fils et je reviens. Parce qu'il faut que je le guette, parce que s'il arrive et puis qu'il ouvre la porte et qu'il se frotte sur la peinture, la bonne femme ne va pas être contente. Donc voilà ce qu'il me reste à faire sur celui-ci. Donc là, je vous dis, cet après-midi, je vais aller me mettre sur mon lit parce que c'est la pièce. Je suis sur mon lit, donc je n'ai pas les pieds par terre ni rien. Là, il y a les fenêtres ouvertes. Je vais fermer là tout à l'heure. Je vais laisser ici ouvert. Et puis, je vais fermer la fenêtre de ma chambre où je mettrai ma robe de chambre par-dessus mon pull. Quoique là, j'ai un pull. Donc, je vais être obligée d'ouvrir le volet parce que sinon, je ne vais rien y voir pour faire le diamant painting. Et je vais essayer dans l'après-midi et dans l'après-midi, à partir de maintenant, je vais essayer de faire cette petite partie-là jusqu'à soir. J'ai toute l'après-midi pour faire cette partie-là. Et si d'ici soir, j'ai fini ce côté-là, sans compter la lettre K, hein, on va dire, parce qu'il va me rester ces petits symboles-là à faire, j'aurai après ces deux cases, ces deux parties-là à faire. Voilà. Donc je voulais vous la montrer de plus près, mais je vais défaire le. Alors ça va bouger. Et je suis en train de me passer les doigts en même temps. Je vous tiens vite fait. Ben non. Voilà. Je vais vous tourner dans l'autre sens. Je tourne mon téléphone dans l'autre sens, voilà, pour que vous puissiez la voir en entière. Voilà. Alors voilà, voyez. Partout, là, ici, vous voyez, on voit des petits points blancs. C'est les lettres qui... C'est la lettre K. C'est les... Voilà, toute cette partie-là, la couleur, je ne l'ai plus. J'en ai plus de cette couleur-là. Il y en a ici et il y en aura ici. Voilà. Donc, je vais essayer de trouver une couleur qui soit assez rapprochante par rapport à la couleur bordeaux dans mes diamants carrés. Et puis, sinon, je mettrai une couleur dans les tons verts. Après, c'est de la verdure, donc... Voilà, je mettrai un vert clair. Voilà, comme il me reste des verts, là, comme ça, ben, je ferai un mélange.
Voilà. Quoique là, dans le cheval, je peux pas mettre du vert, donc c'est pas possible. Faut que je trouve du bordeaux ou du marron foncé. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot toute pour recevoir les notifications de toutes mes vidéos. On n'oublie pas le petit commentaire, le petit partage et le petit pouce bleu. Bisous, bisous, prenez soin de vous. À bientôt.